Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Réaction Grand Format. Aujourd'hui, nous sommes le 25 février 2024. Et c'est avec joie et grand plaisir, encore une fois de plus, de venir auprès de vous pour un nouveau numéro où nous allons encore discuter de la République démocratique du Congo. Alors, comme vous connaissez, Grand Format, c'est une émission qui nous réagissons à l'actualité, surtout lorsqu'il s'agit du week-end. C'est l'ensemble de l'actualité qui a dominé la semaine et qui est difficile à être effacé par les nouveaux, parce que vous savez, en République démocratique du Congo, une nouvelle actualité chasse l'autre. Mais nous discutons dans Grand Format des actualités qui tendent un peu à persister et qui s'accrochent à aller du début de la semaine jusque vers la fin de la semaine. Donc aujourd'hui, nous allons prendre quoi? Nous allons prendre la violation de la Constitution. C'est l'article 110, je crois, si je ne me trompe pas. Mais cet article 10, le président de la République l'a violé. Cela consiste dans l'article 110, je disais. Ça parle de fonctions de cumul des fonctionnaires de l'État, notamment les ministres, les députés et tout ça. Nous avons constaté qu'après les élections, plus de 39 ministres qui sont dans le gouvernement actuel ont été élus comme députés. Donc, et ils ont été empêchés d'être intronisés comme députés lors de cette manifestation d'intronisation ou bien de la présentation de députés. Ils ont été demandés et on leur a donné un délai de 8 jours pour se déterminer, c'est-à-dire prendre position. Ou bien vous voulez rester au gouvernement ou bien prendre vos fonctions comme un député. Donc il fallait se déterminer. Et nous avions vu le premier ministre qui est parti justement à la Cour constitutionnelle demandant cette dérogation. Et la Cour constitutionnelle a dit les droits en disant qu'aucun ministre ne peut pas être en même temps député et en même temps ministre. Donc, la Cour constitutionnelle s'était prononcée sur ce sujet-là. Et donc, on a donné donc un délai de 8 jours. Et donc, ils se sont conformés, ces ministres-là. Beaucoup d'entre eux sont partis auprès du président de la République pour déposer leur démission afin qu'ils puissent être intronisés comme députés au niveau du Parlement. Nous avons constaté que le président de la République a reçu leur démission et juste après, un communiqué est passé, est venu justement contredire ce que dit la loi. C'est-à-dire que le président de la République, le bureau, le cabinet du président de la République a demandé à ce que ces ministres-là puissent assumer les affaires courantes. Est-ce que c'est légal? Aucune disposition de la Constitution ne parle d'une certaine cumul ou bien permet une certaine cumul de ses fonctions, donc fonction de député et celui de ministre. Donc nous nous retrouvons dans une situation de violation carrément de la Constitution et le président dans son debriefing avec Patrick Muyaya qui s'est passé, disons, au courant de la semaine, c'était jeudi ou vendredi, où le président a été vraiment très silencieux. Vous allez remarquer, je vais vous mettre la vidéo, le président n'a pas répondu avec véhémence, avec assurance que le fait de demander au gouvernement actuel d'assurer l'affaire courante n'était pas convaincant. Et donc, nous nous sommes dit, dans ces numéros, nous allons prendre les positions, vous mettre encore des positions de certaines grandes personnalités, des bouches autorisées, qui sont passées sur Radio Okapi et qui ont parlé de ça. C'est ainsi que nous allons prendre 6 de ces. Il y a des journalistes, il y a des avocats, il y a des acteurs politiques qui vont défiler ici, nous donner leur point de vue et puis nous aussi, nous reviendrons après pour vous donner notre point de vue. Nous allons suivre donc ce que disent ces personnalités-là et nous revenons pour vous donner notre point de vue sur cet fait de la violation de la Constitution et ce que nous pensons. Retrouvons-nous tout de suite après
le point de vue de ces personnalités. Jean-Claude Tshilumbay, vous êtes professeur et député national et cadre de l'IDPS, parti membre de l'Union Sacrée. Vous êtes l'initiateur et gestionnaire du regroupement politique DA/TDC affilié à l'IDPS. Je rappelle que l'émission est aussi pédagogique. Professeur, quels pourraient être les fondements juridiques ou constitutionnels en général, n'est-ce pas, de la décision du chef de l'État autorisant aux membres du gouvernement d'expédier les affaires courantes alors que ces personnes sont frappées d'incompatibilité? Bon, d'abord il faut noter qu'en droit administratif, il y a cette nécessité de surmonter les conséquences de l'absence ou de l'empêchement de l'autorité compétente qui doit être satisfaite par principalement deux institutions. Nous avons généralement l'intérim, nous avons la suppléance. L'intérim, il est spontané, il est décidé par l'autorité directement hiérarchique. Mais nous avons aussi la suppléance qui est une institution instituée, si vous permettez la répétition, par un texte de droit qui prévoit en effet que en cas de disparition, en cas d'empêchement ou en cas d'incapacité d'accomplir ses tâches, la personne est ainsi suppléée par telle institution. C'est le cas du chef de l'État par les présidents du Sénat ou d'autres circonstances dans lesquelles on voit un texte précisé qui doit remplacer telle personne en cas d'indisponibilité. Ces deux institutions-là, quant à l'intérim, c'est comme je disais, immédiatement décidé par l'autorité hiérarchique pour pouvoir à cette nécessité de surmonter les conséquences de l'indisponibilité ou de l'absence ou de l'incapacité à accomplir une tâche donnée. Et la distinction, elle est souvent classique, elle est aussi nette, comme je l'ai souligné, entre une institution organisée en avance par un texte et une institution spontanée, mais aussi en termes d'intérêt pratique, il y a des limites dues à la suppléance, mais aussi des limites propres à l'intérim. Dans le cas d'espèce, il y a un gouvernement. Il faut noter deux situations particulièrement, parce que ici, vous avez des ministres qui doivent démissionner parce que devant occuper une fonction incompatible, le mandat de député, et c'est au cas par cas. Mais en tout, vous avez dans ce lot un ministre, un super ministre, qui lui démissionne en portant avec lui l'ensemble du gouvernement, c'est-à-dire y compris des ministres qui ne sont pas touchés par cette incompatibilité. Et cela entraîne que, en dehors de ceux touchés par l'incompatibilité, tous les ministres du gouvernement sont démissionnaires à partir du moment que le premier d'entre eux a déposé sa démission. Et cela procède de la logique que l'État ne devant pas s'arrêter, il y a continuité des affaires, et la continuité des affaires peut être de deux manières. Lorsque l'autorité qui exécute les compétences de manière régulière est en fonction, il est clairement que l'intérimaire va assumer l'ensemble de ces compétences-là, sauf si et la personne qui l'habilite et les limite. Mais ici, il s'agit en même temps de l'intérim qui touche des personnes qui ont des compétences pleines, mais aussi en des circonstances où ces compétences sont en elles-mêmes déjà amputées par l'expiration du mandat, parce qu'en principe, les ministres, même s'ils n'étaient pas touchés par le fait de l'incompatibilité, ne devraient plus prendre de décisions graves ou de décisions qui survivent à eux dans la durée qui vont produire des effets qui surpassent leur mandat. Donc, dans ce cas ici déjà, on suppose que le pouvoir des ministres naturels qui étaient en place étaient déjà des pouvoirs assez fragiles du fait qu'il y a eu élection, mais tu ne veux plus poser des actes, des dispositions, des actes avec des conséquences importantes, mais aussi qu'ils seront remplacés maintenant par des ministres où leurs fonctions seront assurées sous forme d'expédition des affaires courantes. Et les affaires courantes, on sait, c'est ces affaires très très limitées au fonctionnement minimum
des administrations. Voilà pourquoi cette situation va être interprétée selon qu'il s'agit de ministres touchés par l'incompatibilité et de ministres non touchés par l'incompatibilité, mais qui sont frappés par la démission du fait que le premier d'entre eux a démissionné, donc tout le gouvernement est tombé. Oui, si vous estimez que c'est une décision, n'est-ce pas, qui est fondée sur les plans juridiques, alors comment vous expliquez cet arrêt de la Cour constitutionnelle, n'est-ce pas, qui avait certifié à travers notamment les articles 108, 97 de la Constitution et les incompatibilités, n'est-ce pas, qui frappent ces ministres et avait exigé à aux ministres concernés de pouvoir faire un choix? La Cour constitutionnelle a rappelé le principe, hein, c'est que il n'y a rien qui change. Ces ministres demeurent bien dans l'incompatibilité. Ils sont appelés à faire remise, reprise. Le Conseil d'État français l'avait rappelé en mai 1987 dans l'affaire Melki, lorsqu'il soulignait que la désignation de l'intérim en soi n'a pas besoin de suivre des procédures ou de respecter des conditions de forme et de fond particulièrement prévu par un texte, mais c'est déterminé par l'autorité qui désigne l'intérimaire. Ici, par exemple, l'on peut déduire des choses, soit que c'est l'intérim strictement pour le principe général de droit de continuité des services de l'État, soit que c'est l'intérim pour la conservation du patrimoine jusqu'à sa remise à une autorité compétente qui devrait devoir l'assurer pour protéger les biens de l'État, parce que en principe, il faut dire à ce niveau que cette difficulté en droit constitutionnel rime mal avec la réalité du droit administratif, qui veut que dans nos habitudes, depuis que nous avons commencé cet exercice démocratique au pays, les secrétaires généraux de l'administration n'ont pas été chargés d'assumer ou d'assurer cet intérim en pareille période. C'est souvent d'autres ministres, et cette fois-ci c'est particulièrement atypique que une coutume constitutionnelle s'est construite qui veut que ce ne soit pas le secrétaire général, mais plutôt d'autres ministres ou des ministres qui restent, qui peuvent cumuler autant de charges de département ministériel. Malheureusement, que nous ne pouvons plus improviser, on ne peut pas improviser la logique que le secrétaire général de l'administration prenne cette charge. Mais cette fois-là, il faut noter qu'il y a une évidence. Lorsque le chef de l'État demande au gouvernement d'assurer les affaires courantes, je n'ai pas compris ça dans le sens qu'il demande au premier ministre et au ministre frappé par l'incompatibilité de continuer, parce que cela suppose en fait que le gouvernement dans son ensemble est démissionnaire. Et en cas de... Merci, on a compris. Maître Hervé Diakessé, avocat et porte-parole du Parti politique Ensemble pour la République, parti de l'opposition. Comment vous analysez cette décision, chef de l'État? C'est une violation flagrante de la Constitution et une confusion totalement entretenue, parce que pour des intérêts politiciens, on tient à maintenir un gouvernement qui, de toute façon, est démissionnaire en place, parce que certains de ses membres ont fait des pieds et des mains en violation manifeste des dispositions constitutionnelles, y compris d'un arrêt de la Cour constitutionnelle, pour se maintenir pour des raisons totalement nébuleuses. Je m'en vais vous, articuler quelques éléments. J'ai suivi très attentivement le prof Tshilumbay. J'espère que j'ai bien prononcé son nom. Et j'ai dit d'emblée, le chef de l'État a l'obligation de garantir le bon fonctionnement des institutions. En créant cette situation, il a failli à ses obligations constitutionnelles. Lorsque le prof Tshilumbay fait allusion à la situation de suspension de mandat, nous nous retrouvons en fait en réalité dans une situation d'ambiguïté entre guillemets. Nous avons deux cas de figure prévus par la Constitution. Il y a l'article 108 qui parle de la question des incompatibilités, et l'article 110 qui parle de la question de suspension de mandat. Les deux sont spécifiques à des contextes totalement différents. Ici, nous sommes dans le contexte de l'article 108, qui signifie qu'à l'entrée en fonction, donc au début du mandat de la législature, comme c'est le cas,
les députés élus, si toute chose restant égale par ailleurs sur les conditions d'élection des députés issus de la machine africaine, les députés, au moment où on valide son mandat, et qui se retrouvent dans les cas d'incompatibilité prévus par l'article 108, notamment le cas d'être membre du gouvernement, à 8 jours pour opérer un choix. C'est pas seulement être membre du gouvernement, hein. On peut à la fois être député national et député provincial, donc on ne peut pas siéger simultanément dans deux assemblées législatives, il faut procéder à un choix dans les 8 jours. Déjà que la violation intentionnelle de la Constitution est un cas de haute trahison et qu'on peut saisir la Cour constitutionnelle, et que, mais encore, on n'est pas comme au Sénégal où on peut espérer une indépendance particulière de notre justice, mais toujours est-il que la Cour constitutionnelle, sur les cas de ces ministres députés, avait déjà interprété l'article 108, qui en réalité n'a même pas besoin d'une interprétation savante. Merci Christian Moleka. Vous êtes analyste politique, coordonnateur de la dynamique des politologues de la RDC. Comment vous analysez cette décision du chef de l'État? Je dirais que cette décision, elle n'est pas conforme à la Constitution. Pourquoi? Mais parce que, tout simplement, il faut qu'on parte d'un principe simple. C'est qu'un gouvernement est une continuité de la majorité parlementaire. Et donc, dès que la majorité tombe, ce gouvernement disparaît. Le gouvernement Sama est la conséquence de la majorité de 2023, de 2018 à 2023. Cette majorité ayant disparu, la conséquence logique, c'est que le gouvernement qui est l'appendice de cette majorité tombe également. C'est ça le principe. Et donc le temps de former une nouvelle majorité qui fera venir un nouveau gouvernement, le problème qui se pose, c'est la continuité de l'État. Mais on a eu dans le passé, et je crois le maître Hervé l'a rappelé, le cas en 2011, lorsque Adolphe Mouzito a démissionné. À l'époque, Joseph Kabila nomme un intérimaire qui est le Vepem Kouadialo, qui fait le rôle d'intérim avec les ministres qui sont restés. Je rappelle qu'en 2011, 22 ministres ont démissionné, puisqu'ils étaient également élus. Aujourd'hui, on parle de 39, mais nous sommes dans la même configuration. Donc, il était logique que soit nommé un intérimaire pour continuer l'action, le Premier ministre ayant démissionné. Lorsqu'on veut parler d'intérim, le principe de l'intérim, c'est qu'il faut qu'il y ait vacances. On ne peut pas faire de l'intérim pour soi-même. On fait de l'intérim face à une vacance, c'est-à-dire qu'il y a une autorité en vacances, en empêchement, et une autre personne que lui a sous l'intérim. On ne peut pas faire de l'intérim de soi-même, ça ne se fait pas. Le principe du droit administratif, c'est que l'intérim, c'est une vacance, c'est un remplacement à une vacance d'une autorité par une autre personne. Et donc on n'est même pas dans les cas d'intérim parce que les personnes sont là et vont assurer eux-mêmes la continuité de l'État alors qu'ils ne sont pas censés être là. Nous sommes vraiment dans un cas d'incompatibilité notoire. Et c'est vraiment malheureux qu'on n'ait pas tiré les leçons du passé. En prenant par exemple l'exemple du cas de Mouzito, on aurait pu nommer un intérimaire. Il y a des gens qui n'ont pas postulé. Bemba n'a pas postulé. Il y a le vice-premier ministre de l'Intérieur, Peter, qui n'a pas démissionné. Et donc il y avait une possibilité de mettre la forme et donc de nommer un intérimaire plutôt que de maintenir sa main et de tomber dans l'illégalité. Non, en fait, politiquement, cette décision est justifiée. Vous ne pouvez pas comprendre le fait que le Premier ministre ait déposé sa démission et que tout le gouvernement tombe et qui va le remplacer. Donc, il y a des affaires courantes à gérer. Donc, quand on parle des affaires courantes, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est assimilé il faut prendre des mesures nécessaires pour assurer la continuité des services publics. Mais lorsqu'il y a gestion des affaires courantes, il y a des actes, des dispositions que le gouvernement est limité à poser, telles que les mesures prises. Le gouvernement ne peut pas engager la République à l'ère actuelle. Donc, nous devons comprendre cela. Et aussi, les fonctions des membres du gouvernement, comme le dit, le dispose de l'article 96 de la Constitution, les fonctions des membres du gouvernement sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat électif. Et pousser le cumul de mandats ou le cumul de candidatures, parlons de cumul de mandats, c'est immoral à l'ère actuelle. Nous devions comprendre que c'est arrivé à demander le gouvernement la gestion en attendant que le prochain gouvernement soit nommé et les membres du gouvernement soient choisis. C'est un peu dans ce sens-là. Donc, ce type de décision, des décisions politiques. Mais si les gens, comme nous sommes dans un débat... décision politique, mais qui viole la Constitution. Mmh. Alors que le Conseil d'État avait clairement déjà tranché sur la question. Oui, c'est-à-dire que ici, nous sommes dans un état de droit.
dans un état de droit, lorsqu'une décision ou bien un acte est pris par le chef de l'État, on peut attaquer cet acte-là devant les cours et tribunaux. Donc, soyons vraiment dans un état de droit, parce que si nous fonctionnons dans des déclarations politiques, alors que les déclarations politiques ne sont pas des requêtes devant les cours et tribunaux, là, on ne saura pas bien comprendre. Donc, la démarche à faire, il faudra arriver à attaquer cette décision prise par le chef de l'État devant le Conseil d'État et entendre la décision de la Cour. Mais moi, j'estime que la gestion, le gouvernement doit s'occuper des affaires urgentes, c'est la gestion des affaires courantes. Et selon un juge français, le juge administratif a assimilé la gestion des affaires courantes aux mesures nécessaires pour assurer la continuité de l'État. C'est juste pour que l'État ne s'arrête pas, l'État doit continuer. Très cher Kelly, quand vous lisez l'introduction de notre Constitution, vous allez comprendre que elle est faite, c'est vraiment le pacte social. Elle a été faite pour l'unité nationale, pour la cohésion, pour la justice, pour la paix, mais aussi incite à tous les dirigeants, à tous les responsables à pratiquer vraiment la justice. Cette question est en train de faire couler de l'encre, mais aussi les salives dans tous les salons à Kinshasa, mais aussi dans tout le pays, et aussi dans le monde. Mais moi, j'ai plutôt... je commence plutôt par nous rappeler tous Congolais que le mandat c'est pour 5 ans. Et les 5 ans, il n'y a pas un jour de plus ou un jour de moins. Mais aussi nous rappeler que le temps, c'est l'ennemi le plus fort de l'homme si on ne le gère pas comme il se doit et si on ne suit pas ce qu'il faut. En rappelant cela, je voudrais quand même rentrer dans le texte qui nous colle dans la peau, qui est le pacte social. Quand vous lisez l'article 108 de la Constitution, son alinéa 1, il commence par là où il faut commencer. Il dit que le député ne peut pas combiner sa fonction avec le sénateur. Vous voyez, et ils font presque le même travail. Et on dit, vous ne pouvez pas combiner ça. Et on dit ça, on dit, bon, il ne peut pas être membre du gouvernement, il ne peut pas être membre de des entreprises publiques, il ne peut pas être membre des autres institutions, il ne peut pas être membre du cabinet du président de la République. Et alors je me dis, nous devons respecter nos textes. Ça c'est le combat le plus fort que tout le père fondateur de ce pays ont initié. Et moi je crois que le président Félix est fils d'un des pères fondateurs de ce pays que nous avons suivi, qui est notre maître tous, hein, qui nous a formés pour être efficaces dans les questions politiques, dans les questions de la gestion du pays. Et moi, je crois que il est si intelligent et je pense que ça va pas durer. Il y aura un gouvernement qui va sortir dans la semaine ou les deux semaines qui vont suivre et les choses vont rentrer dans la normale parce que un député ne peut pas être en même temps ministre et ça ne colle pas assez. Et moi, je crois fermement pour un État fort au milieu de l'Afrique, comme dit notre Constitution, et qui respecte tout le droit et qui respecte les institutions. Une institution qui fait la force d'un pays, le président ne cesse de le répéter, c'est la justice. La Cour constitutionnelle s'est prononcée, la Cour d'État s'est prononcée et elles ont toutes dites qu'il n'y a pas cumul de fonctions. Et moi, je crois qu'il faut qu'on observe cela. En dépit de tout ce que nous avons comme situation difficile, et je suis sûr que ces membres du gouvernement doivent aussi être interpellés. Ils doivent comprendre que le chef de l'État, c'est un humain. Mais aussi, son cabinet, c'est aussi un cabinet composé d'humains. Et moi, je dirais même que le directeur de cabinet du président devrait démissionner dès la première semaine parce que nous sommes dans un autre mandat et il faut un directeur de cabinet qui voit les choses pour une gestion durable dans les 5 ans qui arrivent. On n'a pas du temps à perdre, le nuit, le jour. J'étais en Ouganda, je finis par là, et une dame me dit il vendait jusqu'à 24 heures. Je leur pose la question, il dit mais pourquoi vous vendez jusqu'à 24 heures? Ils disent nous sommes en retard par rapport à qui? Par rapport aux Français, par rapport aux Américains, par rapport aux Suisses, aux Alors, il faut qu'on travaille et qu'on travaille dire le jour et les nuits. Nous n'avons pas droit à l'erreur. Moi, je pense que le président de la République est conscient que sa décision fâche la loi, fâche la Constitution
il en est conscient. Je l'ai suivi hier dans le briefing, chaque fois organisé par le ministre de la Communication, Patrick Muyaya. Une question lui a été posée dans ce sens, et j'ai senti dans lui une sorte de frustration par rapport à ce qui à cette décision là. Lui-même a dit qu'il n'aime pas beaucoup parler justice, parler droit. Il se sent à l'aise dans des questions de développement et autres. Et moi, je me pose une question. Pourquoi les Congolais s'attarde sur cette décision du chef de l'État, parce que moi, personnellement, je suis convaincu que notre constitution a été mise en veilleuse depuis décembre 2020. Et vous allez vous poser la question pourquoi je dis ça. La réponse est simple. Depuis décembre 2020, nous avons vu une majorité basculer pendant un mandat qui était en cours. Alors, je me dis, pourquoi les Congolais doivent se poser des questions sur est-ce que la Constitution a été violée, est-ce que les lois ont été violées, alors que, à mon avis, excuse-moi, c'est le cas depuis décembre 2020. Voilà, mesdames, demoiselles et messieurs, ce n'est plus à discuter, les gens ont parlé. La violation a été constatée sur les 6 personnalités dont je vous ai mis ici. Vous avez constaté qu'il n'y a qu'une seule personne qui est bien sûr de l'UDPS qui ne pouvait pas être à l'encontre du président de la République. Mais tout le monde est unanime que le président de la République a violé la Constitution. Mais maintenant, la question est de savoir quoi faire. Comment est-ce que nous allons réagir? Qui peut maintenant porter plainte contre la violation de cette Constitution et dans quel cours? Qui peut oser maintenant? Parce qu'aujourd'hui, nous avons constaté que le président, il est devenu le dieu, il est devenu de tous les garants, il est le garant de toutes les choses en République démocratique du Congo. Il n'y a personne qui peut dire non à ce point de vue. Alors, on se pose la question, où allons-nous, mes chers amis? D'abord, Mutuako Fundae Azalite ou bien Mutuako Kangisae Azalite? Président, justement, a profité que non, à un moment où le Sénat est allité, le Parlement n'est pas encore fixé, donc on n'a pas encore traité les choses. On profite dans ces désordres-là à violer la Constitution. C'est très grave. C'est très grave. Moi, je me pose comme question, est-ce que c'est seulement ce gouvernement-là qui est un gouvernement providentiel qui doit traiter les affaires courantes brûlantes? Est-ce que les Congolais, Moussousou, Obazalite, surtout les secrétaires généraux, parce qu'en principe, Ndenge Batouana va démissionner, qui appartenait au ministre qui ont le contre-saint, qui pouvaient peut-être assumer les affaires courantes. Ce n'est pas grave, ça peut faire 2 ou 3 semaines ou bien 3 jours. Il y a un moment où il y a un moment. Notre position aussi, c'est que nous appuyons ces personnes qui disent que non, le président a violé la Constitution, c'est vrai. Tu as un modèle, tu as un président mon côté qui a violé la Constitution, le texte est allité. Donc, nous avons maintenant un pays où tout le monde peut faire quoi qu'il veut. Mutuna mutaweko sala makambo alingi. La Cour constitutionnelle n'est plus là pour juste. Il est là peut-être pour accompagner le président. Musala nango ezali susunini. Parce que en principe, la Cour constitutionnelle devrait s'approprier de cette violation là et traduire et même juger même le président de la République parce qu'il est en fonction. C'est la Cour constitutionnelle. Ndenge parlement zali na sénat zali te poba kende na congrès. Mais la Cour constitutionnelle devrait déjà se saisir de cette violation-là et accuser le président de la République et le traduire en justice. Et ça coûte biloko, il y a violation flagrante. Biloko eza ya eloko ko discuter. Voilà un peu ce que je vous fais remarquer. Ceci pour justement réveiller conscience à Congolais. Congolais, nous devons nous mettre debout. Vous devez être capable de saisir Yakoloba. Mutu oyazo salamabe, mutu azako kende bien. Nous devons être capables de ne pas se laisser tromper par des malins qui vont venir nous mettre une dictature et tout ça. Na modèle otozo kende bande konangai, c'est la dictature qui s'annonce. Le Dieu Soleil, Sekechi Sekedi a dit,
est au-dessus de toutes les lois. C'est là où nous sommes en train d'aller. Malheureusement, conséquence, c'est Angoana. Voilà, mes chers amis, nous sommes arrivés à la fin. Donc, conclusion, Nangape Angoana. On va se retrouver dans d'autres émissions pour discuter dans ma cambo. Mais je vous prierai quand même une fois de plus de vous abonner si vous êtes là pour la première fois. Et puis, si vous aimez cette émission, partagez-la aussi. Tozo linga media na biso elongwa na media eba elite ezala na media ya batunyo surtout pour que nous puissions avoir cette conscience que ce pays nous appartient tous. Mboka o eza mboka ya Tshisekedi te. Mboka eza mboka ya batu moko boye te. Ce pays nous appartient tous et nous avons le droit de dire ce que nous avons à dire. À tous ceux qui sont en train de m'injurier et tout ça, moi je dis, pourvu qu'il y ait quelqu'un qui met un like, là j'aurai atteint mes objectifs. Que Moutoumo quoi comprendre ce que j'ai dit, j'aurai déjà dit. Boza la vente, boza kofinganga et kosala nango et loko mon côté. Mais s'il y a des gens qui comprennent mon combat et qui soutient ce combat parce que vous êtes nombreux à voir vos abonnements, comment batbaza ko s'abonner, bah on va s'abonner, t'es que bon dimi, bon s'abonner s'il vous plaît. Merci et bon week-end et bon début de semaine plutôt parce qu'aujourd'hui nous sommes dimanche. Au revoir et à la prochaine.